study, dans notre dernière étude, we continued reading about the life of Paul. Nous avons continué à lire donc sur la vie de Paul. So I want to show us le sol. Donc je vais vous montrer that the gospel que l'évangile is not moral, n'est pas moral, but it's prophetic. Mais il est prophétique. I just want to remind us donc j'aimerais qu'on se rappelle that we started off by reading a passage that said the following. Et nous avons commencé par lire un passage qui disait les choses suivantes. The enemy, l'ennemi, has continually wanted to a toujours voulu disconnect the law, déconnecter la loi, and the gospel, de l'évangile. These two things, ces deux choses, go hand in hand, vont main dans la main. And we want to ensure et voulons être sûrs that we understand the connection between these two things. Que nous comprenons la relation qu'il y a entre les deux. For so long, parce que depuis tellement longtemps, these things have been separated. Ces choses ont été séparées. We then read a passage. Nous avons alors lu un passage that says the law is the tree. Ils ont disait que donc la loi était l'arbre. And the gospel et l'évangile is the fruit that the tree bears. Sont donc les fruits que cet arbre va porter. We saw how Paul, nous avons vu comment Paul, all through his life, à travers sa vie, had been studying the law, a beaucoup étudié donc la loi. He was an expert on the law. Il était même un expert de la loi. But it did him no good. Mais il ne connaissait pas bien. Because he was still a lost sinner. Parce qu'il était en fait un pécheur perdu. This should clearly teach us as Adventists. Donc, ça devrait vraiment nous montrer en tant qu'adventistes that the problem that we face que le problème que nous rencontrons is that we're trying to enter into heaven through the wrong means. Nous essayons d'entrer au ciel à travers les mauvais moyens. We have to approach the problem in the correct fashion. Et nous devons approcher le problème de la façon correcte. We saw it in the history of the church of the 1888 movement. Nous avons vu dans l'histoire en fait de l'Église avec le mouvement de 1888. And now we're looking at it in detail in the life of Paul. Et maintenant nous regardons en détail dans la vie de Paul. We read nous avons lu Acts of the Apostles 115 paragraph 1. Donc Conquérant Pacifique, donc c'était page 115 paragraphe 1 en anglais. That here et nous on avons the road vu to Damascus que Paul donc sur la route de Damas he saw Jesus. Il a vu Jésus. And the image of Jesus was imprinted upon this man forever. Et l'image de Jésus a été imprimée dans son esprit pour toujours. And what flooded into his mind et ce qui est arrivé donc dans son esprit was the ignorance and error of his former life. C'était toutes les ignorances et les erreurs de sa vie passée. And his present need et son besoin présent of the Holy Spirit. Son besoin présent du Saint-Esprit. Read 115 paragraph 2. Maintenant nous allons lire donc le paragraphe 2 qui est donc en anglais, c'est donc Conquérant Pacifique, page 101, paragraphe 4. Donc, Saul découvrit alors qu'en persécutant les disciples de Jésus, il avait en réalité servi la cause de Satan. Il se rendit compte que ses convictions concernant la justice et ses propres devoirs étaient surtout basées sur la confiance implicite qu'il accordait aux prêtres et aux magistrats. Il avait cru en eux quand il lui avait dit que le récit de la résurrection était une invention habile des disciples. Maintenant que Jésus lui-même se révélait à lui, Saul avait la certitude que ceci était dans le vrai. So in this passage, dans ce passage, we read nous lisons something that Adventists would not hear. Que quelque chose que les Adventistes ne comprennent pas. Instead of doing the work of God, au lieu de faire donc la volonté de Dieu, when they were persecuting alors qu'il était en train de persécuter the messengers who were giving this truth, les messagers qui étaient en train de donner cette vérité, they're in fact doing the work of Satan. Ils sont en réalité en train de faire l'œuvre de Satan. As God is raising up a people, alors que Dieu est en train de susciter un peuple to give the third angel's message, pour donner le message du troisième ange power, avec de la puissance here, ici, in this history, dans cette histoire it's going to be repeated here in this history, qui va être répété aussi dans cette autre histoire. And what did the church do against Wagner and Jones and Ellen White? Qu'est-ce que l'Église a fait contre donc Jones, Wagner et Ellen White? They rise up. Ils se sont levés. And they persecute them. Et ils les ont persécutés. Under the
guise or the misunderstanding, misconception. À cause de leur mauvaise conception. That they're doing the will of God because they're keeping the law. Ils étaient en train de faire la volonté de Dieu car ils gardaient la loi. What are they actually doing? Et qu'est-ce qu'ils faisaient en réalité? The work of Satan. L'œuvre de Satan. So, in the history of Paul, they're doing the work of Satan. Donc dans l'histoire de Paul, ils ont fait l'œuvre de Satan. When they killed Jesus, they were doing the work of Satan. Lorsqu'ils ont tué Jésus, ils ont fait l'œuvre de Satan. When they killed Stephen. Et lorsqu'ils ont tué Étienne. Paul realized they were doing the work of Satan. Paul a réalisé qu'il avait fait l'œuvre de Satan. When the king. Lorsque le roi took Jeremiah and put him into a pit. Lorsque le roi donc a mis donc Jérémie dans une citerne. Was that the work of God? Est-ce que c'était l'œuvre de Dieu? Can't be. It was the work of non, Satan. Ça ne peut pas. Donc c'était l'œuvre de Satan. When the church rejected the message of Wagner lorsque and Jones. L'église a rejeté les messages de Jones et Wagner. Was that the work of God? Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? It's the work of Satan. C'est l'œuvre de Satan. So you know. Donc vous savez. When this message comes again at the end of the world, ce message revient donc à la fin du monde, and the church begins to rise up against it, et l'Église commence à se lever contre ce message, and they're going to come up with good arguments, et ils vont venir avec des bons arguments, to resist this truth, pour résister à cette vérité, what do you know? Qu'est-ce que vous savez? That they're doing the work of Satan. Qu'ils font l'œuvre de Satan. But we should be careful. Mais nous devrions faire attention. How we respond to them. Comment nous répondons? How did Stephen respond to comment, Saul? Comment Étienne a répondu à Paul, a réagi? He shone. Il a montré. With the glory of God. La gloire de Dieu. He didn't retaliate. Il n'a pas pris, il ne s'est pas vengé. Like his master. Comme son maître. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? His father. Son père. Forgive them. Il a dit, Père, pardonne-leur. They don't really understand what they're doing. Ils ne comprennent pas réellement ce qu'ils font. Now the ringleaders. Donc les dirigeants will not be forgiven, ne seront pas pardonnés, but men who have been swept up in this movement, mais des gens qui ont été balayés par ce mouvement of rebellion, de rébellion, can have an opportunity to be saved. Peuvent avoir une opportunité d'être sauvés. Remember the ear of the servant. Souvenez-vous de l'oreille avec le serviteur. He gets healed. Il a été son oreille qui avait été coupée, il a été guéri. Because like Saul, parce que comme Saül, even comme though, Saul, pardon. Like Saul, comme Saul, he's going to have an opportunity. Il aura une opportunité to enter into the church, d'entrer dans l'église, receive salvation, et de recevoir le salut. He saw, donc il a vu, that his conviction of duty, que sa conviction concernant la justice, before Damascus, avant donc Damas, even though when he was under conviction, même lorsqu'il était sous la conviction, what was it based upon? Elle était basée sur quoi? His implicit confidence, une confiance implicite, that Adventism cannot be wrong, que l'adventisme ne peut pas se tromper, because Adventism is the seventh and last church, parce que l'adventisme est la septième et la dernière église. No more churches afterwards. Il n'y a plus d'autres églises. This is the apple of his eye. C'est this church. Donc cette église, c'est la prunelle de ses yeux. Do you have that phrase? It's a biblical phrase. C'est une repeat. It's a biblical phrase. The apple of his eye. C'est ça, la prunelle de ses yeux. Donc, c'est une phrase biblique. Jesus loves this church. Jésus aime cette église. We think, et nous disons, even though the church is going wrong, même si l'église va mal, Jesus is going to straighten things out. Jésus va tout, comment dire, corriger. And he will. Et il va le faire. But it's not going to be in the way that we're expecting. Mais pas de la façon dont nous y attendons. And so Saul, donc Saul had implicit confidence. Il avait une confiance implicite. Even though he knew there was corruption, même s'il savait qu'il y avait de la corruption, in the Sanhedrin, dans le Sanhédrin, he thought, il pensait, surely, que sûrement, God must be leading these men. Dieu doit diriger ces hommes. They cannot have gone so far. Il ne peut pas être allé si loin. That he's going to raise up a new people. Que il va susciter donc un nouveau peuple. From within the church, de l'intérieur de l'église, to give this reform message, pour donner ce message de réforme. He was part of the people that rejected John and rejected Jesus. Il faisait partie des personnes qui ont rejeté Jean et qui ont rejeté Jésus. Leads him to the killing of Stephen. Qui les a dirigés donc vers la lapidation d'Étienne. And all of this, et tout cela, is because he has implicit trust. Il avait une confiance implicite. Upon the church. Dans l'église. Because he sees the church. Parce qu'il voyait l'église. As being this moral keeping. Organization. Comme cette organisation qui morale. The custodians of the law. Donc les gardiens de la loi. So surely God could not let them. Donc sûrement Dieu ne peut pas. Be left to one side. Les laisser de côté. He believed. Il croyait.
when he heard the story about the resurrection, lorsqu'il a entendu l'histoire de la résurrection, that it was a fairy tale, que c'était une invention, invented by the disciples, inventée par les disciples. But now, mais maintenant, he was convinced. Il a été convaincu. Now he saw the fulfillment of prophecy. Il a vu l'accomplissement de la prophétie. It turned him into a moral person. Et ça l'a transformé dans une personne morale. 115 paragraph 3. Donc 101 paragraphe 4. Paragraphe 5. Conquérant pacifique, 102 paragraphe 1, pardon. Have you read it? Please, sir. Alors, Conquérant pacifique, 102 paragraphe 1. Au moment de son illumination céleste, Saul réagit avec une remarquable rapidité. Son esprit s'ouvrit aux paroles prophétiques de l'Écriture sainte. Il comprit le rejet du Christ par les Juifs, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension prédit par les prophètes, autant de preuves convaincantes qu'il était bien le Messie promis. Le discours d'Étienne au moment de sa mort revint impérieusement à la mémoire de Saul, et il comprit que le martyr avait contemplé la gloire de Dieu. Lorsqu'il avait dit « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu », les prêtres avaient déclaré que ces paroles étaient un blasphème, mais Saul était sûr maintenant qu'Étienne disait la vérité. In that hour, donc à cette heure, the hour of heavenly illumination, le moment de son illumination céleste, Saul's mind acted with remarkable speed. Saul réagit avec une remarquable rapidité. The prophetic records of the Bible, donc les écritures prophétiques de la Bible, were open to his understanding, étaient ouvertes à sa compréhension. How could they have been open to his understanding? Comment peuvent-elles être donc ouvertes à sa compréhension? How did that happen? Comment cela s'est passé? What did he receive? Qu'est-ce qu'il a reçu? We'll go back two paragraphs. Donc on va aller deux paragraphes en arrière. His present need, son besoin le plus présent, of the enlightenment of the Holy Spirit, de la lumière du Saint-Esprit. So he wanted enlightenment of the Holy Spirit. Donc il voulait donc l'illumination du Saint-Esprit. In the hour of enlightenment or illumination, et dans cette heure, dans ce moment d'illumination, his mind began to act very quickly. Donc son esprit a réagi très rapidement. What's the Holy Spirit doing? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Bringing to his remembrance. En fait, il est en train de lui rappeler à la mémoire. All the stories. Toutes les histoires. All the moral stories. Toutes les histoires morales. And now, et maintenant, what does he realize about those stories? Qu'est-ce qu'il réalise à propos de ces histoires? That they were all prophetic. Qu'elles étaient toutes prophétiques. The prophetic records of the Holy Bible, donc tout l'enregistrement prophétique de la Bible, open to his understanding, était ouvert à sa compréhension, because they'd been locked before, parce que avant elles étaient verrouillées pour lui. He saw, il a vu, that the rejection of Jesus, que le rejet de Jésus, his crucifixion, sa crucifixion, his resurrection, sa résurrection, his ascension, son ascension, were all foretold, étaient déjà prédits, were all predicted to happen, était déjà prédit, in the Old Testament, dans l'Ancien Testament, and they proved, et elle prouvait, that he was the Messiah, qu'il était le Messie. Stephen's sermon, donc le sermon d'Étienne, at the time of his martyrdom, au moment de son martyre, was brought to Saul's mind, a été rappelé donc à sa mémoire, and he realized, et il a réalisé, that Stephen, que Étienne, had seen the glory of God, avait contemplé la gloire de Dieu, when he said in Acts chapter 7, dans Actes chapitre 7, behold, je vois, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. He saw God's glory then. Il a vu la gloire de Dieu à ce moment. The priests had pronounced these words blasphemy. Les prêtres avaient déclaré que ces paroles étaient un blasphème. But Saul said they were true. Mais Saul était sûr maintenant qu'elles étaient vraies. What is blasphemy? Qu'est-ce qui est le blasphème? What's the definition of blasphemy? C'est quoi la définition du blasphème? Yeah, to make the work of God the work of Satan. It's a sacrilegious statement. Donc c'est une déclaration. Irreverence. D'irrévérence. Wickedness. De méchanceté. But it's also. Mais c'est aussi. Putting yourself. Vous mettre vous-même. In the place of God. À la place de Dieu. That's why they said Jesus. C'est pour ça qu'ils ont dit que Jésus. Was committing. Blasphemy. Était en train de commettre du blasphème. When he took upon himself, lorsqu'il a pris sur lui-même, the role of God, le rôle de Dieu,
Because God can forgive sins. Parce que Dieu peut pardonner les péchés. When Jesus says, I can forgive sins. Lorsque Jésus a dit, je peux pardonner les péchés. They said that's blasphemy. Ils ont dit que c'était du blasphème. And so now they're saying the same about Maintenant, Stephen. Ils disent la même chose à propos d'Étienne. He's rising himself up. Il est en train de s'élever. To the position. À la position. Where he can enter into heaven. Où il peut entrer au ciel. And he can actually see the Messiah. Il peut voir le Messie. Standing on the right hand of the Father. Qui se tient à la droite du Père. They say what he said was true. They think is blasphemy. Alors que ils disaient que c'était vrai, ils ont dit que c'était donc du blasphème. And now Paul. Et maintenant Paul. Understands to be true. Il comprend que c'est vrai. So Ellen White. Donc Ellen White. Has connected. A mis en relation. That the Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Is going to speak to Saul's mind. Va parler à l'esprit de Saul. The speaking of into his mind. Et le fait qu'il parle à son esprit. Is now he's going to understand the Old Testament prophetically. Il va comprendre l'Ancien Testament de façon prophétique. And he didn't understand that before. Et il ne comprenait pas auparavant. And he's going to connect that to Stephen's sermon. Et il va mettre ça en relation avec le sermon, le discours d'Étienne. And what was Stephen's sermon? Et quel était le discours d'Étienne? It was these prophetic lines of history. C'est une ligne prophétique d'histoire. Which Paul. Que Paul. And the Sanhedrin. Et le Sanhédrin. They said this is just history. Ils ont dit mais c'est juste de l'histoire. We don't mind talking about history. Nous n'avons pas besoin de parler d'histoire. In fact, they enjoyed it. Et même ils s'en amusaient. Because he was telling them. Parce qu'il leur disait. Look how good the people was. Regardez comment les personnes étaient bonnes. Look how good. Regardez comment ces Look personnes how étaient good. Bonnes. Regardez. Look how great God was. Regardez comment Dieu était grand. And they saw. Et ils ont vu. That they were the children. Qu'ils étaient les enfants. Of these great people. De ces grandes personnes illustres. And then suddenly, et soudainement, he connected them all to Jesus. Il les a tous reliés à Jésus. He says Jesus was the fulfillment of all of this. Jésus était l'accomplissement de tout ça. And they killed him. Et ils l'ont tué. So in this paragraph, dans ce paragraphe, she's connecting, elle fait donc la relation, the work of the Holy Spirit, l'œuvre du Saint-Esprit, the prophetic history, l'histoire prophétique, and the messages of Stephen, et le discours d'Étienne. So Stephen, donc Étienne, when he goes through all of these histories, lorsqu'il va dans toutes ces histoires, is not a historical story. Ce n'est pas une histoire. That brings you to Jesus. Qui vous amène à Jésus. It's a line upon line. C'est ligne sur ligne. Prophetic understanding. Une compréhension prophétique ligne sur that ligne. That says Jesus. Qui dit Jésus. Was fulfilled in all of these previous histories. Accompli dans toutes ces histoires précédentes. And that's why they killed this man. Et c'est pour ça qu'ils ont tué cet homme. Now we think, nous pensons, when the Holy Spirit comes to us, lorsque le Saint-Esprit vient vers nous, what will he help us do? Qu'est-ce qu'il va nous aider à faire? Become moral. À faire du moral. Help us to keep the law. À garder la loi. But no. Mais non. The Holy Spirit isn't here to help us keep the law. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous aider à garder la loi. Is that the purpose of the Holy Spirit? Est-ce que c'est ça le but du Saint-Esprit? To help you keep law. Pour vous aider à garder la loi? It's not. Non, ce ne l'est pas. Because the work of the gospel, parce que l'œuvre de l'évangile, is to take you from the lost to the saved. C'est vous amener à la position de perdu à la position de sauvé. That's the work of the Holy Spirit. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. To take you from the lost to the saved, isn't it? Pour vous amener de la position de perdu à sauvé. Isn't that his work? N'est-ce pas son œuvre? The work of the Holy Spirit is to convict you of sin. L'œuvre du Saint-Esprit est de vous convaincre de péché. Of righteousness. Justice. Of judgment to come. Et le jugement à venir. How is he going to do that? Et comment va-t-il faire cela? Is he going to say? Est-ce qu'il va dire? You should be doing good. Tu devrais faire le bien. You're a bad man. Tu es un homme mauvais. Of course not. Bien sûr que non. He could have been doing that to Paul, to Saul. Il aurait pu faire cela à Paul. For 30 years. Pendant 30 ans. Saul was the expert on the Ten Commandments. Parce que Saul était un expert sur les 10 commandements. But that's not what the Holy Spirit is there to do for Mais us. Ce n'est pas ça que le Saint-Esprit est là pour faire pour the nous. Holy Spirit. Le Saint-Esprit is not to teach you about law keeping. Ne va pas vous enseigner sur le fait de garder la loi. Work of the Holy Spirit. L'œuvre du Saint-Esprit is to teach you. Et c'est pour vous enseigner about a prophetic message. À propos d'un message prophétique. That brings conviction to you. Qui vous amène à la conviction. You see your lost condition. Vous voyez votre condition perdue. And then et alors, you become a moral person. Vous devenez une personne qui observe la loi de façon and morale. And this is justification by faith. Et c'est la justification par la foi. Which is the third angel's message in verity. Qui est le message du troisième ange en vérité. 116 paragraph 1. Donc 116 paragraphe 1. It begins by what a revelation.
Donc, quelle révélation, alors, donc là c'est Conquérant Pacifique, page 102, paragraphe 2. Quelle révélation pour le persécuteur? Maintenant, il savait avec certitude que le Messie promis avait paru ici-bas dans la personne de Jésus de Nazareth et que ceux qu'il était venu sauver l'avaient rejeté et crucifié. Il savait aussi qu'il était sorti triomphalement du tombeau et qu'il était monté au ciel. Et alors, Saul se souvint avec terreur d'Étienne qui avait rendu témoignage du Christ crucifié et ressuscité. Ce disciple avait été sacrifié par son propre consentement et cela lui fit penser à d'autres dignes de Jésus qui avaient trouvé la mort plus tard à la suite de sa cruelle persécution. So this experience that Paul is having, donc cette expérience que Paul il a was a revelation. Était une révélation. It was a revelation to the persecutor. C'était une révélation pour le persécuteur. Now he knew for a certainty et maintenant il savait avec certitude that the promised que Messiah, le Messie promis, the foretold Messiah, le Messie qui avait été promis, the Messiah of prophecy had come. Le Messie qui avait été promis dans les prophéties était venu. Jesus of Nazareth. C'était Jésus de Nazareth. And that he had personally rejected and crucified. Et que ceux qui étaient venus sauver l'avaient rejeté et crucifié. That man. Cet homme. Whom he had come to save. Ceux qu'il était venu sauver. He knew that the Savior had risen in from that the Savior had risen from death. Il savait qu'il était sorti du tombeau. In that moment. Et à ce moment. Of divine revelation. De révélation divine. Saul remembered with terror. Donc Saul s'est souvenu avec terreur that Stephen, qu'Étienne, who had borne the witness of a crucified Savior, qui avait rendu témoignage du Christ ressuscité, had been sacrificed, avait été sacrifié, been killed, avait été tué, by Paul's consent, par le consentement de Saul, and that later on, et plus tard, he'd killed many other people. Il avait tué d'autres personnes. All of this came to him. Tout cela est revenu à sa mémoire. And he was a broken man. Et il a été un homme brisé. Now, all of this that's happened to him in these passages that we've just read. Tout ce qui se passe dans ce qui se passe qui lui arrive donc dans ces passages que nous avons lus. Can all be described? Peuvent être décrits by the passage we read. Par le passage que nous avons lu. Near the beginning of our presentation. Au début de la présentation. From 6 BC 1076.5. Qui venait de donc commentaire biblique page 1067 paragraphe 5. When we read from Romans chapter 7, et nous avons lu de Romains chapitre 7, verse 7 to 9, du verset 7 à 9, it says, il était dit, Paul, as concerning the law, concernant la loi, outwardly, de façon extérieure, he was blameless. Il était irréprochable. We read that. Nous avons lu cela. But when the spiritual character of the law, mais lorsque le caractère spirituel de la loi was understood, a été compris, when he looked into the holy mirror, lorsqu'il a regardé dans le saint miroir, he saw himself as sinner. Il s'est vu comme un pécheur. So this is the experience that we've just read. Donc c'est l'expérience que nous venons de lire. So this change, donc ce changement, when he went from immoral to moral, when he went this change, donc ce changement, when he went from an immoral person to a moral person, lorsqu'il est venu d'une personne immorale à une personne morale, how did it occur? Comment ça s'est passé? He didn't have the law put in front of him. Il n'avait pas donc la loi qui lui a été présentée devant lui. It was through prophecy. C'était à travers la prophétie. Then what happened later? Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? So Acts of the Apostles 118 paragraph 2. Alors, donc c'est Conquérant Pacifique page 104 paragraphe 3. Pendant trois jours, Saul resta sans voir et il ne mangea ni ne but. Ses jours de torture pour son âme semblaient des années. Il se rappelait sans cesse et avec angoisse le rôle qu'il avait joué dans le martyre d'Étienne. Il pensait avec effroi combien il avait été coupable en se laissant diriger par la méchanceté et les préjugés des prêtres et des magistrats, alors même que le visage d'Étienne était illuminé de la gloire céleste. L'esprit triste et abattu, il fit le compte des nombreuses fois où il avait fermé les yeux et bouché les oreilles aux preuves les plus frappantes, tandis qu'il intensifiait son impitoyable persécution contre les disciples de Jésus de Nazareth. Dans cette réclusion complète, il fit un examen sévère de sa conscience tout en humiliant son cœur. Has Saul's heart been changed? Est-ce que le cœur de Saul a été changé? On the road to Damascus. Sur la route de Damas. Yes? Oui. He's now gone through a conversion experience. Maintenant, il a l'expérience de la conversion. Do we agree with that? Nous sommes d'accord avec cela. What's going to happen to him next? Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant?
3 days. 3 jours. 3 days of agony. 3 jours d'agonie. Without sight. Sans voir. Fasting. En jeûnant. No drinking. Non, ni ne boire. These days. Donc ces jours. Were days of agony to him. C'était des jours d'agonie pour lui. They were like years. C'était comme des années. 3 days, 3 years. Donc 3 années, trois jours, 3 années. Day for a year. Un jour égale une année. Again and again. Encore et encore. With anguish of spirit. Avec donc l'angoisse. He remembered his part in the death of Stephen. Il se rappelait donc le rôle qu'il avait joué dans la mort d'Étienne. He thought about his guilt. Il pensait en fait de sa, par rapport à sa culpabilité. He thought about how he was controlled. Comment il a été contrôlé. By malice and prejudice. Par la méchanceté et les préjugés. And who had given him this malice and prejudice? Et qui lui a donné cette méchanceté et ces préjugés? Where did it come from? D'où cela vient? From the priests and rulers. Des prêtres et des magistrats. He remembered the face of Stephen. Il se souvient du visage d'Étienne. In sadness and broken spirit. Et triste et abattu. He recounted the many times. Il fit le compte des nombreuses fois. He'd closed his eyes. Où il avait fermé ses yeux. And closed his ears. Et il avait bouché ses oreilles. He was uncircumcised. Il était incirconcis. Against the most striking evidence. Contre les preuves les plus frappantes. And had relentlessly urged the killing of the believers of Jesus. Et il avait intensifié sa persécution contre les disciples de Jésus. When we present these messages, lorsque nous présentons ces messages, people say, les gens disent, it's not good evidence. Il n'y a pas assez de preuves. And yet, et alors, we give evidence. Nous donnons des preuves. After evidence. Des preuves après preuves. After evidence. Après preuves. And Paul knew. Et Paul savait. He had the most striking evidence. Il avait les évidences les plus frappantes. And he still rejected the truth. Et il rejetait toujours la vérité. So when these truths are brought to view. Donc lorsque ces vérités sont amenées. And you think. Et vous dites, this is confusing. C'est, ça porte de la confusion. It's hard to understand. C'est difficile à comprendre. And people say to you, et les personnes vous disent, oh, it's okay. Oh, c'est okay. If it was so complicated, si c'était si compliqué, it can't be the truth. Ça ne peut pas être la vérité. But I say, mais je dis, we are presenting striking evidence. Nous avons présenté des preuves frappantes. Based upon multiple histories. Basées sur des histoires multiples. That what we're teaching is the truth. Que ce que nous enseignons est la vérité. And we're going to bring you down as the week goes. Et alors que nous continuons durant cette semaine. From the Millerite history into our own history. Nous allons ramener ces choses à l'histoire des Millerites et à notre histoire. But before we can come to our own history. Mais avant d'arriver à notre propre histoire. We need to give nous devons donner striking evidence des évidences frappantes so that you know it's true. Afin que vous sachiez que c'est la vérité. Because I can't just talk about the activities of the Pope. Donc je ne peux pas simplement me limiter à parler des activités du Pape. About the Illuminati. Sur les Illuminati. That's not striking evidence. Ce ne sont pas des évidences frappantes. The only place you can get striking evidence is from inspiration. Les seules évidences frappantes viennent de l'inspiration. We've spoken about Jesuits, haven't we? Nous avons parlé des Jésuites, n'est-ce pas? When people think there are Jesuits in our church, les gens pensent qu'il y a des Jésuites dans notre église. We spoke about this. Nous avons parlé de ça. Yes. Yep. Yes. There cannot be Jesuits in our church. Il ne peut pas y avoir de Jésuites dans notre église. That are the cause of our problems. Qui sont la cause de nos problèmes. Whether there are or not makes no difference. Qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, il n'y a aucune différence. Because if there was, parce que s'il y avait une différence, I would ask you, je vous demanderais, for the striking evidence, de me montrer une évidence frappante. And if your striking evidence, et si votre évidence frappante, is that there's apostasy in our church, c'est qu'il y a de l'apostasie dans l'église, I'm saying you're working on the false premise. Je dis, vous basez sur des faux prémices. So I can take you to multiple histories. Je peux vous conduire dans des histoires multiples, where God's church has done the same apostasy, où l'église de Dieu est dans la même apostasie, and there were no Jesuits. Then. Il n'y avait aucun jésuite. They didn't even exist. Ils n'existaient même pas. There weren't Medo-Persian Jesuits coming into the church. Il n'y avait pas des Médo-Perses jésuites qui sont infiltrés dans l'église. Or pagan Roman ou des undercover agents. Des Romains païens espions qui se sont infiltrés. It's foolishness to believe such c'est things. De la stupidité de croire à ces choses. And it's not based upon the word of God. Et c'est pas basé sur la parole de Dieu. 119, paragraph 1. Donc, okay. Okay, donc Concordat Pacifique, page 105, paragraphe 1. Have you did it?
This is what he's going to do. Voilà ce qu'il va faire. During these 3 days. Pendant ces 3 jours. Please go. Pendant les longueurs de solitude où Saul se trouvait avec le Seigneur, il se remémora les passages de l'Écriture se rapportant à la première venue du Christ. Il se reporta aux prophéties grâce à sa mémoire avivée par la. Ah, give me the reference. Ok. Conquérant Pacifique 105, paragraphe 1. Il se reporta aux prophéties grâce à sa mémoire avivée par la conviction qui s'était emparée de son esprit. Tandis qu'il approfondissait la signification de ses prophéties, il s'étonnait de sa cécité spirituelle qui l'avait empêché de comprendre les Écritures et de celle des Juifs en général qui les avait conduits au rejet de Jésus en tant que Messie promis. À son esprit illuminé, tout semblait maintenant devenu clair. Il se rendait compte que ses anciens préjugés, joints à son incrédulité, avaient obscurci sa compréhension spirituelle et qu'il l'avait empêché de discerner en Jésus de Nazareth le Messie de la prophétie. It's a powerful passage. Donc c'est un passage qui est puissant. Let's just draw a line. Donc on va maintenant tracer une ligne. Stephen dies here. Donc Étienne est mort ici. Paul. Donc Paul. Is kicking here. Kicking. You kick. Donc il frappe ici. A. P-P-E. He's kicking against the pricks. Ah, donc il est en train de lutter avec sa conscience. You change that? Yeah. Meant conscience, maybe. You just want to put fighting against the conscience. You just put fighting or. Okay. L-U-T-T-E. Ah. So he's fighting here against his conscience. Il est en train de lutter avec sa conscience. Stephen gets killed. Donc Étienne est tué. Then he wants to go to Damascus. Donc après, il est sur la route de Damas. Then he meets Jesus. Donc il rencontre Jésus. In Damascus. À Damas. Then he's got these 3 days. Il a ces 3 jours. And we're in these 3 days now. Et pendant ces 3 jours. And now he's beginning to understand. Et maintenant il commence à comprendre. All of this history. Toutes ces histoires au passé. When was his heart changed? À quel moment son cœur a été changé? Here. Ici. This is the heart change. Donc là c'est le changement de cœur. When was he under conviction? À quel moment a-t-il été sous la conviction? Here, when he killed Stephen. Ici, lorsqu'il a tué Étienne. Conviction. The same. He's under conviction. Donc, il est sous la conviction. He has a heart change. Il a un changement de cœur. And now he's reviewing prophecy. Il est en train de revoir les prophéties. During these long hours. Pendant ces longues heures. He's shutting with God. Il est en train de lutter avec Dieu. In this history here, he's with God. Dans cette histoire-là, il est avec Dieu. Jésus has been imprinted where? A été imprimé où? His mind. Jesus is imprinted upon his heart now. Donc Jésus est imprimé dans son cœur maintenant. Now, maintenant, after thinking about all these things, après qu'il ait pensé à toutes ces choses, the Holy Spirit is bringing things to his remembrance. Donc le Saint-Esprit lui ramène les choses à son esprit. And he's carefully tracing down through the prophecies. Et il s'est rapporté donc aux prophéties. With a good memory. Avec une bonne mémoire. Which has been sharpened. Qui a été avivée. By conviction. Par la conviction. He's taken possession of his mind. Qui s'était emparé de son esprit. And as he reflected on the meaning of these prophecies. Et alors qu'il réfléchissait sur la signification de ces prophéties. He was astonished. Il était étonné. At his blindness. De son aveuglement. Of understanding. De compréhension. The blindness of the Jews. Et l'aveuglement des Juifs. Which had led them to the rejection of Jesus. Qui les avait amenés au rejet de Jésus. Where was he blind? Où est-ce qu'il était aveuglé? Here. Ici. His eyes are shut. Donc ses yeux sont fermés. He cannot see. Il ne peut pas voir. He was uncircumcised. Il était incirconcis. In this history. Dans cette histoire. Uncircumcised. Il était incirconcis. Comes under conviction. Et là il arrive sous la conviction. Gets a new heart. Il a un nouveau cœur. Begins to understand prophecy. Il commence à comprendre la prophétie. And he can't believe. Et il n'arrive pas à croire. He was so lost. Qu'il était si perdu. He was in darkness. Il était dans les ténèbres. T-I-N-I-B-R-I-S. When he was in darkness, donc lorsqu'il était dans les ténèbres, did God forsake him? Est-ce que Dieu l'a abandonné? No. Non.
Even he was doing all of this wickedness, même s'il faisait toute cette méchanceté, God gave an opportunity Dieu here. Lui a donné une opportunité ici. So there's a period of darkness. Donc il y a une période de ténèbres. Comes under conviction. Il y a le fait de venir à la conviction. Has a change of heart. Il y a un changement de cœur. And he hasn't even been baptized yet. Et il n'a toujours pas été baptisé. And there's his 3 days. Et après il y a ces 3 jours. To his enlightened vision. Donc à son esprit donc illuminé. Everything was now plain. Tout était tout prenait du sens. He knew. Il savait that his former prejudice and unbelief que ses anciens préjugés et son ancienne incrédulité had clouded his spiritual perception avaient obscurci sa compréhension spirituelle and had prevented him et lui avaient empêché from seeing in Jesus de discerner en Jésus the Messiah of prophecy. Le Messie de la prophétie. When you're in darkness, donc lorsque vous êtes dans les ténèbres, you can't see what's happening. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. This man, Messiah, donc cet homme, ce Messie, Jesus of Nazareth, donc Jésus de Nazareth, is connected with John the Baptist in this history. Est en relation avec Jean-Baptiste dans cette histoire. Is Jesus going to come down in the Millerite history? Est-ce que Jésus va descendre pendant l'histoire des Millérites? And do the same thing? Et va faire la même chose? Will he? Est-ce qu'il va le faire? Will the Messiah come here? Est-ce que le Messie va venir ici? Yes. Oui. Will he look like the Messiah? Est-ce qu'il va ressembler au Messie? No. Non. He's not going to come like they're expecting him. Il ne veut pas venir comme ils l'attendaient. When Wagner and Jones came. Lorsque Jones et Wagner sont venus. Were they the savior? Sorry. When Wagner and Jones came. Okay. Lorsque Jones et Wagner sont venus. Were they the savior? Est-ce qu'ils étaient les sauveurs? For the people. Pour le peuple. Yes. Oui. God had sent them to save his people. Dieu les avait envoyés pour sauver son peuple. Did they recognize these men? Est-ce qu'ils les ont reconnus ces hommes? As the Messiah. En tant que Messie. We already said there are many Christ, remember? Il y avait beaucoup de Christ. This is typology. Ça c'est de la typologie. Symbology. De la symbolique. Not literalism. Pas du littéral. These men. Ces hommes. Were sent to save the people. Étaient envoyés pour sauver le peuple. What did they do to those men? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ces hommes? They crucified them. Ils les ont crucifiés. It's a recurring theme. Donc c'est un thème récurrent. What's going to happen here? Qu'est-ce qui va se passer ici? The same thing. La même chose. These messengers. Donc ces messagers. That God's going to raise up will be crucified. Que Dieu va susciter vont être crucifiés. Persecuted, destroyed. Persécutés et détruits. The blind man. Donc les hommes aveugles. Was disfellowshipped. Ont été, enfin l'homme aveugle a été radié. Just for being healed. Juste parce qu'il a été guéri. He was blind. Il était aveugle. Then he could see. Et après il pouvait and voir. And they disfellowshipped him for that et crime. Ils l'ont radié pour cela. He could now see. Il pouvait voir maintenant. That in this man. Que dans cet homme. Was the fulfillment of the Messiah. Était l'accomplissement du Messie. Of prophecy. De la prophétie. When you awaken. Donc lorsque vous êtes réveillé. To the reality. À la réalité. That these messages. Que ces messages. Are. Sont the saving message for Adventism, les messages qui vont sauver l'adventisme and this church, et cette église one person at a time, individually, de façon individuelle une personne à la fois realizes, réalise after they come out of darkness, après qu'ils soient sortis des ténèbres comes under conviction, ils arrivent sous la conviction they'll have the spiritual perception to see what's going on, ils vont avoir la perception spirituelle de voir ce qui se passe they will see, ils vont voir that these truths que ces vérités are fulfillment of prophecy. Sont l'accomplissement de la prophétie. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, please be with us, sois s'il te plaît avec nous as we're challenged, alors que nous sommes challengés from our understanding as Adventists, par rapport à notre compréhension adventiste, to a gospel that we've never heard, à un évangile dont nous n'avons jamais entendu parler, not the moral gospel, pas l'évangile moral, not when prophecy has been separated from the law, pas lorsque la prophétie a été séparée de la loi, but you bring us back, et tu nous ramènes à cela, to the foundations of our faith, aux fondations de notre foi, help each of us, aide chacun d'entre nous, if we've been resisting, si nous avions résisté, or fighting. Et si nous avions combattu, if we know people, si nous connaissons des personnes who have been fighting and resisting, qui ont combattu et qui ont résisté, help us to share this truth, aide-nous à partager cette vérité, the good news, cette bonne nouvelle, that Jesus can save us, que Jésus peut nous sauver, through a prophetic message, à travers un message prophétique, and bring conviction to us, et nous amener à la conviction, that we are lost, que nous sommes perdus, in Jesus' name, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.